الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم، وعنا يا ربنا لنكون من المخلصين الصادقين الخاشعين. نتم في الشعبة الحادي عشر من شعب الإيمان الخوف من الله عز وجل. Nous continuons la branche de la crainte de Dieu Azza wa Jal, le fait d'avoir peur et d'avoir crainte de Dieu Azza wa Jal, qui est la 11e branche de la foi. يروي البيهقي عن محمد بن السماك قال: كنت أطوف أطلب العباد والزهاد، فذكر لي رجل بعبادان. Alors Ibn Samak a dit, j'étais quelqu'un qui cherchait les adorateurs, les pieux, les saints, les ascètes. Ils m'ont parlé d'un homme qui se trouve à Abadan. هذا الرجل رفض الدنيا وأقبل على الآخرة جدا واجتهادا. فأتيت عبادان. Alors il a dit, Ibn Samak, ils m'ont parlé d'un homme qui a délaissé le bas monde et qui a œuvré pour l'au-delà, en faisant un effort exceptionnel. Et je suis arrivé à Abadan. فسألت عنه ووصف لي داره. J'ai demandé d'après lui, ils m'ont décrit sa maison. فأتيت إلى باب الدار. لكن هذه الباب باب الدار كبيرة ليس عليها إلا باب بمصراع صغير. Alors il a dit, je suis venu vers une maison assez grande, mais il y avait une porte, une petite porte. فقرعت الباب, alors j'ai tapé sur la porte. فخرجت إلي جارية فقالت من الطارق. Alors il y avait une fille qui est sortie, il a dit qui tape la porte. قلت أنا يا جارية هذا منزل فلان العابد. C'est moi. Est-ce que c'est la maison d'un tel connu par son adoration? قالت نعم. قلت لها استأذني لي عليه. J'ai dit alors demander la permission pour que je rentre. فإن أنا دخلت عليه وهبت له درهما. Il a dit si je rentre, je vais lui offrir un dirham. فقالت يا عبد الله ما رأيت أحدا هو أجهل منك. أدخل فما على أبي من حاجب. Il a dit la jeune, la fille, j'ai pas trouvé un ignorant comme toi. Il n'y a pas un gardien qui empêche les gens de rentrer pour mon père. الحجاب على أبواب الملوك وأبناء الملوك. Alors il a dit les gardiens se sont plutôt vers les maisons, les portes des rois, les fils des rois. فبهت متعجبا من قولها. J'étais un peu surpris de la parole de la fille. ثم دخلت معها الدار وإذا دار ليس فيها إلا بيت صغير. Alors il a dit, je suis rentré avec elle dans la maison et à l'intérieur, c'est peut-être il y a un grand hall, mais il y avait une petite chambre. فدخلت البيت. Alors je suis rentré dans cette maison. فإذا أنا برجل قد نحل جسمه من غير سقم. J'ai trouvé un homme qui est devenu très maigre, mais sans être malade. وقد احتفر قبرا عند رجلي. Il a ouvert une tombe et que lui s'assoit en mettant les tombes dans la, en mettant les pieds dans la tombe. وفي يده خوص يشقه وهو يتلو هذه الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Alors il avait comme des pailles qui travaillaient avec, et puis après il récitait une ayah pendant qu'il qu
qu'il travaille avec ça. Et Al-Aya de Surat Al-Jathia 21 qui signifie est-ce qu'il pense ou est-ce qu'il croit ceux qui ont commis les péchés et la mécréance qu'ils vont être comme les croyants qui ont œuvré dans le bien, qu'ils auront la vie comme eux et qu'après leur mort seront pareils, quel mauvais jugement. C'est-à-dire, ils ne sont pas pareils selon le jugement de Dieu, ceux qui croient et qui obéissent et ceux qui mécroient et désobéissent. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقْرَأْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ. Il récitait l'aïa avec une voix pleine de chagrin. Alors je lui adressai le salam, il a répondu à salam. وَقُلْتُ وَقَالَ أَمِنْ أَخْوَانِ أَنْتَ. Il a dit, tu es parmi mes frères. قُلْتُ نَعَمْ وَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ عَبَّدَانَ. هي عبدان الآن هذه المنطقة في إيران اللي هي عرب. Alors, il lui a dit, tu es parmi mes frères. Il a dit, oui, je suis parmi tes frères, mais je ne suis pas parmi les gens de Basra, ni parmi les habitants de Abadan. قال فمن أين أنت. Alors, de quelle ville tu es? قلت من أهل الكوفة. Il a dit, je suis de Kufa. قال ما اسمك. Comment tu t'appelles? قلت محمد بن السماك. Muhammad ibn Sammak. Alors il a dit, je m'appelle Muhammad ibn Sammak. قال لعلك الواعظ. Peut-être c'est l'exhortateur, celui qui fait des conseils. قلت نعم. J'ai dit que oui. فأخذ بيدي بيديه جميعا ثم قال لي مرحبا وحياك الله يا أخي بالسلام. Il a pris sa main par les deux mains et lui a dit مرحبا بك. Bienvenue. Que Allah Ta'ala te met en sécurité et en bon état. Matta'na wa iyyaka fi ad-dunya bil ikhwan. Que Allah Ta'ala nous réjouit le cœur dans ce bas monde avec les frères yani qui sont comme toi. Ya akhi ma zalat nafsi mutatalli'a ila liqa'ika tuhibbu an ta'rid da'aha 'ala dawa'ik. Il a dit, mon frère, mais comme mon ego, vraiment j'avais un grand envie de te voir. J'aimerais présenter ma maladie devant tes remèdes. J'ai un problème, j'aimerais que toi tu mets la remède et le soigner. أعلمك يا أخي النبي أعلمك يا أخي النبي جرحا قديما قد أعيا المعالجين قبلك. Le dit, sache mon frère, je suis blessé à l'intérieur et ceux qui soignent n'ont pas pu me soigner. Ils ont été fatigués, ils n'ont pas pu me soigner. فَتَأَتَّهُ بِرِفْقِكَ. Alors fais avec soin, cherche à me soigner doucement. وَأَلْصِقْ عَلَيْهِ مَا تَعْلَمْ أَنَّهُ يُلَائِمُهُ مِنْ مَرَاهِمِكَ. Alors mets sur cette blessure ce que tu sais comme remède de tes soins, de tes médicaments, de tes crèmes dans ce sens. قال فعلمت أن الرجل يريد أن أعظه. Alors j'ai su que l'homme, il veut que je le conseille, que je lui dis des paroles de conseil. فقلت يا أخي وهل يداوي مثلي مثلك وجرحي أنغل من جرحك. Il a dit, mais mon frère, est-ce que un comme moi va soigner un comme toi et ma blessure est plus grande que le tien? وذنبي أعظم من ذنبك. Et mon péché est plus grand que le tien. قال سألتك بالله إلا ما وعظتني. Alors je te demande, mon frère, par Dieu, que tu me le conseilles, que tu me dis quelque chose comme conseil. فقلت له يا أخي قد علمت أن ذنبك الذي أذنبت لم يمحى وأن لذاتك لم تبقى. Est-ce que tu as su que ton péché n'a pas été effacé? C'est-à-dire, si la personne ne s'est pas repenti, le péché n'est pas effacé. Si la personne s'est repenti d'un péché, il sera effacé. Alors, est-ce que tu as su concernant ton péché? Est-ce qu'il était effacé? Et que le plaisir que tu as eu ne reste pas? Et que la mort, il te cherche le matin et le soir, ou le soir. وأنك تصير غدا إلى ضيق اللحود وظلمة الكبور ومسألة منكر ونكير. Et que par la suite, tu vas arriver
vers les tombes qui sont serrées, vers les tombes qui sont obscures, pleines de ténèbres, et la question de Munkar wa Nakir. فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ شَهَقَ شَهْقَةً وَخَرَّ فِي الْقَبْرِ يَخُورُ كَأَنَّهُ ثَوْرٌ. Alors lorsque je lui ai dit ça, en parlant, il y a les tombes, il y a les ténèbres, et après il y a la question. Alors il est tombé dans la tombe en faisant un grand cri, et il se dégageait de lui une voix comme celui d'un taureau. وأقبلت امرأته وابنته تبكيان من وراء الحجاب. Alors son épouse et sa fille priaient derrière la porte ou derrière une barrière. وتقولان سألناك بالله لا تزده شيئا فتقتله علينا. Ils ont dit à Ibn Sammak, s'il te plaît, on te demande par Dieu, n'ajoute rien, parce que si tu ajoutes, peut-être il va mourir et nous on ne veut pas le perdre. فأفاق. Alors il s'est réveillé. فقال يا أخي قد وافق دواءك دائي ولصق مرهمك على جرحي يا أخي ابن السماك زدني. Alors il s'est réveillé. Après il a dit, mon frère, mais vraiment ta remède a été très bien pour ma maladie, et ton crème que tu l'as utilisé a bien pris sur ma blessure. Continue mon frère ibn Sammak, ajoute, continue. فقلت يا أخي إن أهلك وولدك قد حلفوني أني لا أزيدك شيئا. Il a dit, mais mon frère, ta famille, c'est-à-dire ta fille, ton épouse, m'ont demandé par Dieu de ne rien ajouter. فأقبل عليهم وقال اعلم يا أخي أنه ليس أحد أشد علي وبالا ولا أعظم جربا مني فإذا وقفت بين يدي ربي من أهلي وولدي. Alors il a regardé la famille, il a dit, mais mon frère, si le jour du jugement je serai questionné et jugé par mon Seigneur, alors comment faire? Et moi je suis quelqu'un qui a fait des grands péchés. Si je serai questionné par mon Seigneur, où est ma famille? Où est mes enfants? فقلت يا أخي ما بعد ظلمة القبور ما بعد ظلمة القبور وضيق اللحود ومسألة منكر ونكير إلا الطامة. Alors il a continué, il a dit, mon frère, après les ténèbres dans la tombe, l'obscurité de la tombe, et les places qu'ils nous mettent dans la tombe qui est serrée dans le lahd, et la question de Munkar et Nakir, il y a tombe. قلت ما هي يا ابن السماك. Il a dit, et qu'est-ce que c'est quoi tombe, ابن السماك. فقلت له إذا أخذ إسرافيل يعني في نفخ الصور وبعثر ما في القبور وجئنا نحن بأثقالنا نحمل على الظهور. Alors tombe, يعني lorsqu'on dit c'était la deuxième souffle par le corne, lorsque Israfil souffle, et il a dit, et nous sortons de la tombe, nous sortirons de la tombe, et on vient avec les lourds perchés qu'on a fait sur nos dos. فكم يا أخي في ذلك اليوم من مناد ينادي بالويل والثبور. Alors combien mes frères dans ce jour-là aura des gens qui vont dire, wa thaboura, quel malheur, qu'est-ce que nous attend comme châtiment. الويل والثبور يعني لمن ينتظر عذابا لمن ينتظر بلاء لمن ينتظر هما كبيرا. وأعظم من ذلك أيضا توبيخ الرب إيانا عند قراءة السيئات التي قد أحصي علي وعليك فيها النقير والفتيل والقطمير. Il a dit, et plus grand que ça, le fait qu'on entend de la part de Dieu le reproche au sujet de nos péchés, qu'ils ont été comptés. قال تعالى أحصاه الله ونسوه. Et il a dit, et tout est compté pour nous, les petites choses, comme il a dit, النقير والفتيل والقطمير, c'est-à-dire les petites choses parmi les péchés qu'on a fait sont écrits et sont notés. وملائكة متزرون بأزر من نار غضاب لغضب الرحمن ينتظرون ما يقال لهم بالغضب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إلى دي. Et par la suite, il y a les anges qui s'occupent du châtiment et qui sont en colère suite à ce que Allah Ta'ala leur ordonne.
suite aux gens qui méritent le châtiment. Et il y a l'aya qui a cité l'aya خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Il s'agit des mécréants. قال فشهق شهقة فخر في قبره كأنه ثور قد وجي في منخره. Alors il a dit de nouveau est tombé dans la tombe en criant, se dégageant de lui une voix comme celui d'un taureau. فأقبلت عليه ابنته فاجتذبته وأسندته إلى صدرها ومسحت وجهه بكمها وهي تقول بأبي وأمي عينين طالما سهرتا في طاعة الله. Alors sa fille est venue, elle l'a pris vers son corps, elle a essuyé son visage avec la manche, puis après il a dit, je te défends par mon père et ma mère, combien tes yeux ont veillé dans l'obéissance à Dieu Azza wa Jal. بأبي وأمي عينين طالما غضطا عن محارم الله. Il a dit, mais ses yeux, combien de fois ils ont baissé le regard de ce qui est interdit. فأفاق, alors après il s'est réveillé. فقال لي, il a dit, هذا الرجل لابن السماك, عليك السلام يا ابن السماك, أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشهق الثالثة فظننت أنها مثل الأولين حركته فإذا هو قد فارق الدنيا. Alors il s'est réveillé, il a dit, il a adressé le salam à Mohammed Moussammak et il lui a dit, moi je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et il a crié fortement la troisième fois. J'ai pensé que c'est comme les deux premières fois qu'il va se réveiller par la suite, mais je suis venu vers lui, je l'ai touché, alors je l'ai trouvé, je trouvais l'homme qu'il est déjà mort. Rahimahullah rahmatan wasi'a. يعني هؤلاء رجال قلوبهم حاضرة ألسنتهم ذاكرة خاشعين متضرعين مع الأعمال العظيمة يخشون من تلك الأهوال الكبيرة يوم الدين. Ce sont des hommes dont le cœur plein de sincérité, plein de crainte, des yeux qui ont pleuré pendant des longues années. Il a creusé la tombe dans sa maison pour se rappeler de la mort. C'est des gens qui ont œuvré dans le bien, mais malgré ça, ils avaient la crainte d'être jugés par Dieu le jour du jugement, les événements qui vont avoir lieu, le châtiment qui aura lieu, ce qui se passe au jour dernier, qui va passer sur le pont, qui va glisser pour tomber dans l'enfer. Et regardons, lorsqu'il a entendu quelques ayats au sujet de Nafratus Sur, au sujet des questions, au sujet des événements qui aura lieu lorsque la personne sera jugée et il est tombé mort. وعن أحمد بن أبي الحواري يقول بينما أنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلا قد خر مغشيا عليه. Alors البيهقي rapporte que Ahmed fils de Abi al-Hawari a dit, j'étais un jour en train de marcher dans les chemins de Basra. Alors j'ai entendu un bruit. Alors je me suis dirigé vers le bruit. Alors j'ai vu un homme qui tombait dans l'évanouissement. Il s'est tombé et s'est évanoui. فقلت ما هذا؟ قالوا كان رجلا حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشيا عليه. قلت ما هي الآية؟ قال قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Alors il est venu, il a trouvé un homme évanoui. On a dit, c'est quoi? Ils ont dit, c'est un homme dont le cœur est présent, est vif. C'est quelqu'un qui a la crainte, qui a la surveillance de ses paroles, de ses actes. Et il a entendu une ayah dans le Coran et s'est évanoui. On a dit, c'est quoi l'ayah? Il a dit, quelle ayah? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. C'est pas venu le moment pour ceux qui ont cru d'avoir le cœur plein de crainte de la part de Dieu Azza wa Jal. فأفاق الرجل,
وعند سماع الكلام alors l'homme s'est réveillé pendant ces paroles et il commençait à faire quelques vers de poésie. Après ثم قال إشكال 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 وخر مغشيا عليه فحركناه فإذا هو ميت. Il a cité quelques vers de poésie et par la suite il a répété trois fois en disant إشكال, c'est-à-dire soit dans le sens c'est comme il dit un problème, et puis et il est tombé dans l'évanouissement et on l'a trouvé mort. وعن منصور بن عمار قال حججت حجة فنزلت سكة من سكك الكوفة. منصور بن عمار رجل من الصالحين مجاب الدعوة. C'est parmi les saints et c'est quelqu'un dont l'invocation est exaucée. Il a dit j'ai été au Hajj et j'ai pris un chemin parmi les chemins de l'Koufa. فخرجت في ليلة مظلمة فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل. Alors, je suis sorti dans une nuit pleine d'obscurité. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un au milieu de la nuit qui crie. يقول إلهي وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي إياك مخالفتك وقد عصيتك. Il dit mon Seigneur, je par ta dignité, par ta gloire, j'ai pas voulu par ma désobéissance te contredire, mais j'ai désobéi. J'ai désobéi, وَمَا أَنَا بِنَكَالِكَ عَاقِلْ. Je sais que tu as un châtiment, je nie pas ça. وَلَكِنْ خَطِيَةً عَرَضَتْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ شَقَائِي. Mais c'était un péché qui m'est arrivé, et c'est ma malheur qui m'a aidé à ça. وَغَرَّنِي سُطْرُكَ الْمَرْخِيَّ عَلَيَّ. Il m'a, c'est-à-dire ce qui m'a poussé à ça, c'est que mon Seigneur, tu ne m'as pas dévoilé dans ce bas monde. وقد عصيتك بجهدي وخالفتك بجهلي. J'ai désobéi avec mon effort, c'est-à-dire ma propre personne. J'ai fait volontairement suite à mon ignorance. فالآن من عذابك من يستنقذني. Mon Seigneur, qui me préserve de ton châtiment maintenant. وبالحبل من أتصل إن أنت قطعتك حبلك عني. Et avec qui il peut me tenir, qui me prend si tu me coupes ta clémence. يعني حتى قطعت حبلك عني بمعنى إيش؟ قطعت عني عونك ورحمتك. وشبابا. Il criait, ah, à quoi me sert ma jeunesse, ah, quel malheur chose qui m'est arrivé. فلما فرغ من قوله قرأت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Lorsque ce jeune homme qui est en train de se reprocher, il est en train de regretter, il est en train de crier fort, mon Seigneur, sois clément envers moi, dans ce sens, toutes ces paroles. Alors, Mansour ibn Ammar, il a cité l'aya, qu'ou anfusakum wa ahlikum nara, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles, c'est les gens et les pierres. قال فسمعت حركة شديدة. J'ai entendu un bruit terrible, un fort bruit. لم أسمع بعد حسن. Et plus, j'ai rien entendu par la suite. فمضيت. Et puis, je suis continué. J'ai pas cherché, mais j'ai entendu un fort bruit. Puis après, rien. Alors il est allé. ذهبت. فلما كان الغد رجعت في مدرجتي. Alors en revenant de cette place, فإذا أنا بجنازة قد وضعت. Alors je trouvais le funérail, il y avait le corps de quelqu'un qu'on a mis, qui est mort. وَإِذَا عَجُوزٌ كَبِيرًا. Une vieille dame. سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ الْمَيِّتِ. J'ai parlé, qui est ce mort? وَلَمْ تَكُنْ عَرَفَتْنِي. Elle ne m'a pas reconnu hier. قَالَتْ مَرَّ هَاهُنَا رَجُلٌ لَا جَزَاهُ اللَّهُ إِلَّا جَزَاءَهُ مَرَّ بِابْنِ الْبَارِحَةِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فتلا هذه الآية تلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تقطعت مرارته فوقع ميتا. Il a dit un homme hier a passé de chez nous, proche de nous, il a récité une aya et mon fils lorsqu'il a entendu cela n'a pas supporté
et il est tombé mort. هذا مات إيش من خوفه من الله والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني من مات خوفا من ذنوبه واستحياء من ربه هذا مات على حال حسن celui qui est mort par crainte celui qui est mort par gêne et pudeur de ce qu'il a fait comme péché vis-à-vis de son Créateur, alors bien sûr, c'est une personne qui est morte dans un bon état. وعن حسن بن القاسم الوراق قال كنا عند عبد الواحد بن زيد عبد الواحد بن زيد معروف من الصالحين وكلامه مؤثر في الوعظ. Alors quelqu'un qui s'appelle حسن fils de القاسم il a dit nous étions chez عبد الواحد بن زيد عبد الواحد بن زيد C'était un homme connu par ses exhortations, par ses fortes paroles lorsqu'il conseille. فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ كُفَّ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ لَقَدْ كَشَفْتَ قِنَاعَ قَلْبِي Oh Abu Ubaida, arrête, tu as enlevé le voile de mon cœur n'arrive plus à tenir, n'arrive plus à supporter. فَلَمْ يَلْتَفِتْ عَبْدُ الْوَاحِدِ فَمَرَّ فِي الْمَوْعِظَةِ Alors il a continué, Abdul Wahid, il n'a pas pris la parole de cet homme et il a continué à exhorter. فَقَالَ كُفَّ يَا أَبَا عُبَيْدَ لَقَدْ كَشَفْتَ قِنَاعَ قَلْبِي يَا أَبُ عُبَيْدَ Oh arrête, mon cœur est, comme on dit, il va s'exploser dans le sens là, les veines dans le cœur n'arrivent plus à tenir ni à supporter. وَعَبْدُ الْوَاحِدِ يَعِذْ عَبْدُ الْوَاحِدِ continue à donner ses conseils, n'arrête pas. حتى والله حشرج الرجل حشرجة الموت وخرجت نفسه. Et cet homme qui a dit, oh Boubaïda, s'il te plaît, arrête. On a entendu la voix de celui qui est en train de mourir et il est tombé mort. Dans la séance de dhikr, dans la séance de l'exhortation, cette personne est morte. قال وأنا والله شهدت جنازته ما رأيت بالبصرة يوما أكثر باكيا من يومئذ. Il a dit, moi j'étais dans les funérailles de cet homme, j'ai jamais vu dans le Basra, c'est-à-dire un groupe des gens aussi nombreux en train de pleurer dans les funérailles de cet homme. هذا رجل صادق يجلس في المجلس وقلبه خائف. يرتعد فرائصه ترتعد خوفا من أهوال يوم القيامة وهؤلاء مع حسن حالهم مع صدقهم في العبادة مع إخلاصهم في الطاعات والأعمال الصالحة هكذا حالهم من الخوف فكيف ينبغي أن يكون حال من يمر عليه كل يوم بعشرات أو مئات أو ألاف من الذنوب جدي ستم كيا qui est mort dans la séance d'exhortation de Abd al-Wahid Nuzayd. C'est parmi les gens qui sont sincères dans l'obéissance. Ce sont des gens qui sont véridiques dans leur état spirituel. C'est des gens qui craignent Dieu. C'est des gens qui cherchent à accomplir ce qu'Allah a ordonné. C'est des gens qui œuvrent dans le bien et ils sont dans tel état. Et ils sont morts par crainte de Dieu Azza wa Jal. Alors, comment doit être l'état de la personne qui fait par jour des dizaines ou des centaines ou des milliers de péchés? Comment il va être? لذلك قال بعضهم شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجلس الذكر يمشون بأرجلهم صحاحا وأجوافهم والله قرحة فإذا سمعوا الموعظة انصدعت قلوبهم فماتوا فقال يحيى قلت لأبي طارق مجتمعين قال لا الرجل والرجلان alors on rapporte que des fois dans les séances d'exhortation il a dit on voyait des gens qui venaient à la séance de l'waz des exhortations en bon état en bonne santé ils rentrent mais après ils meurent et il a dit une fois j'ai vu trois personnes qui sont mortes dans les séances d'exhortation. Il lui a dit ensemble ou il a dit une fois un homme, une fois deux. Bin majlis al-wahid yamutu unas
من خشية الله سبحانه وتعالى من تأثير الوعظ عليهم. واسمعوا كيف كان حال توبة ابن الصمة. كان توبة ابن الصمة بالرقة، الرقة معروفة بسوريا، alors un saint qui s'appelait Taubatu, fils de Summa, dans la ville connue actuellement Al-Raqqa. وكان محاسبا لنفسه. C'était un homme qui se juge, qui se surveille, qui prend soin de lui-même. فحسب إذا هو ابن 60 سنة. Il a un jour, il a dit, voilà quel âge je suis maintenant, dans quel âge. Il a dit, voilà, j'ai 60 ans. فحسب أيامها 60 divisant sur 360 jours, si on parle Qamari, alors 54 jours, 354 ou 55, alors il a trouvé 21 500 jours. وجد أن أيامه 21 500 يوم. فصرخ وقال يا ويلتي ألقى المليك بأحد عشر 21 ألف ذنب، هذا إن عصيته في اليوم مرة، وكيف في كل يوم عشرات الآلاف من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه، حرك فإذا هو ميت. Alors, توبة من الصمة qui était de la ville qui s'appelait Raqqa, un jour il a calculé, il a dit voilà j'ai 60 jours, 60 années, combien de jours, c'est 21 500. Alors il a dit 121, si je fais par jour un péché, alors je viens le jour du jugement avec 21 000 péchés. Il a crié fort, il a dit si j'ai fait par jour un seul péché, alors le jour du jugement j'aurai 21 000. Mais si c'était des milliers de péchés par jour, il a crié et il est tombé mort. Faqila, alors ils ont entendu la voix sans voir la personne. Mais ya laha min raqdatin ila al-jannah, yani quelle manière de chercher le paradis. Lianna narja ila al-qawl anna Allah ta'ala yuhibbu ibadahu al-khaifin yuhibbu ibadahu al-dhakirin yuhibbu ibadahu al-khashi'in yuhibbu ibadahu al-bakka'in. Allah ta'ala agrée les serviteurs, les adorateurs qui le craignent, qui pleurent par crainte, qui sont humbles, qui ont la soumission, qui réfléchissent au jour du jugement. الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. C'est-à-dire ceux qui dormaient très peu dans la nuit et au temps de sahar avant l'aube, c'est là où ils font les invocations et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de leurs péchés. من هؤلاء من كان لا يعني لا يقوم إلى الفراش إلا مغلوبا عند لما لا يدري ما يقول. يعني il ne se lève, il se met pas le corps sur le matelas pour dormir que lorsqu'il n'arrive pas à être debout, lorsqu'il n'arrive plus à lire. لأن كل هذا استعداد ليوم مقداره 50 ألف سنة. Tout ça, c'est pour se préparer pour un jour qui va durer 50 000 années. لكن 50 ألف سنة تحت حر الشمس أو مقدار 4 ركعات في ظل العرش. 50 000 années. Pour certains, 50 000 années sous la chaleur du soleil, avec la transpiration, en ayant soif, en ayant faim, sans avoir d'habits, sans avoir des souliers, sans avoir de l'ombre. 50 000 années, 50 stations, chaque station 1000 ans. 50 ألف سنة. 50 موقف. كل موقف ألف عام. تحت حر الشمس من غير طعام من غير شراب. Mais il y en a d'autres. La durée pour eux, ça passe comme une prière de 4 rak'at, comme la prière de l'asr. لكن هناك عباد الله تعالى يجعلهم تحت ظل العرش في ظل رحمته عز وجل يمضي الوقت عليهم كأنها مقدار 4 ركعات ما بين الموت lorsqu'il est mort. تعرف الرجل الصالح مثل هؤلاء الذين نذكرهم. C'est pieux qu'on est en train de parler d'eux et qu'il a crié et qu'il est mort suite la crainte. L'ange de la mort, ماذا يقول ملك الموت؟ السلام عليك يا ولي الله.
أبشر برضوان الله وجنته. في ناس ما تحكي بالموت بخاف بس يسمع كلمة موت. في ناس يقول إذا غاب عن قلبي ذكر الموت ساعة أخشى أن يفسد علي قلبي، أكثر من ذكر الموت علي. وسيدنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثروا من ذكر هاذم اللذات، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. Il y a des gens dans le bas monde, ils veulent pas entendre le mot mort. Il est où? Il n'est plus là. وين فلان؟ هو مات بس ما بقول لك مات، ما لا يقول مات، بقول لك مش هون. Il est où? انت تفكره سافر. Tu penses qu'il est en voyage. Il est dans le ciel. Mais il n'est pas dans le ciel, il est dans سجين. ليس في السماء، روحه في سجين تتعذب. Mais il y a des gens qui ne veulent pas parler de la mort. Mais les pieux, il y en a parmi eux ceux qui disent « Si je ne pense pas à la mort une heure, j'ai peur que mon cœur durcisse ou change, que mon état change. » Alors, le fait de penser à la mort, c'est une bonne chose. Parce que tu dois savoir que tu es dans une demeure de passage. Tu es sur un pont, tu es en train de le traverser. « هذا الجسر » قديش بعد لك خطوات ربك اعلم كم بيان il te reste de pas الله اعلم il y a le pont est-ce que tu l'as traversé il te reste deux pas trois pas cinq pas il te reste une heure deux heures deux jours ou deux mois ou deux ans الله اعلم mais si tu es sur le pont c'est bien de penser que je suis dans une demeure de passage il y a la mort il y a la mort je dois me préparer بنيت بيت شو اسمه خلينا نقول بسويسرا. Tu as construit, tu as acheté une maison en Suisse. Tu as construit une maison dans ton pays. Et qu'est-ce que tu as fait pour après la mort? بنيت بيت. اشتريت بيتا. اشتريت سيارة. وماذا فعلت لما بعد الموت؟ شو عملت؟ Et في ناس ما ولا 10 فرنكات. Même 10 francs, il y a rien. ما في. 10 francs, pourquoi? ولا كيف؟ Pourquoi? كيف ليش pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la demeure éternelle. هذيك الدار الباقية، هيدي الفانية. الواحد بياخذ من الفاني إلى الباقي. ليش أنت عم تعمل العكس؟ On prend de ce qui est éphémère pour ce qui reste. Mais toi, tu veux rien prendre pour ce qui reste. Et tu es en train de marcher sur le pont et la dunya derrière toi. الدنيا وراك. إذن ذكر الموت يصلح القلوب. القلب القاسي دواؤه ذكر الموت. مع أمور أخرى مثل قراءة القرآن بالتفكر قلة الأكل قيام الليل الدعاء عند السحر مجالسة الصالحين. Pour soigner le cœur qui est dur, penser à la mort. Il y a d'autres choses encore qui sont importantes pour soigner le cœur. Le fait de lire le Coran avec méditation, avec soin, et tu réfléchis. Le fait d'avoir l'estomac souvent vide. Le fait de faire دعاء dans le temps de Sahar, le fait de prier dans la nuit et tenir compagnie des pieux, de ceux qui parlent de l'au-delà, qui pleurent par crainte. خلي أصحابك الذين يذكرون الموت والآخرة والحساب والنار والعذاب هؤلاء أصحابك. أما أناس لا يذكرون الدين إلا قليلا وذكرهم الدنيا ليلا نهارا هؤلاء يقسون القلب. Si les compagnons ne parlent que le bas monde, que le commerce, que la dunya, que les... Mais c'est des gens qui vont durcir ton cœur et tu n'as pas besoin d'eux. بعضهم قال اصحاب من يذكرك يحركك الى الطاعه نظرك الى وجهه. Prends compagnie de la personne. Si tu le vois, ça te fait pousser à obéir. طلع هيك تشوف انسان طيب صالح بتشوف أثر البكاء على وجهه ترى عليه الخشوع فتقول وين أنا وينها. اصحب من يذكرك الطاعة إذا نظرت إليه. لا تحتاج إلى الكلام، نظرك إليه يحركك إلى الطاعة. طيب إذا ما في من هؤلاء الرجال عند ذلك تسعى لمن يكثر من ذكر الآخرة كما ذكرنا. وعن يوسف بن أصباط قال كان سفيان الثوري إذا أخذ من ذكر الآخرة يبول الدم. يوسف بن أصباط هذا رجل من الصالحين الكبار
Youssef Nouasbat, c'est un parmi les grands saints. Il a dit lorsque Soufiane al-Thawri, et Soufiane al-Thawri, Mujtahid, Hadith Azim, Rajul Mithal al-Ilm wal-Zuhd wal-Wara, il a réuni en lui la science, l'athétisme, la piété, la crainte, le hadith. Et lorsque Soufiane al-Thawri parlait de l'exhortation, après, il va aux toilettes, il urine du sang. Huwa yaqul wa huwa al-Khashi'. Ya'iz. Il donne conseil et lui-même a déjà pris conseil, c'est-à-dire pour lui-même. Alors, lorsqu'il fait ses besoins, il urine du sang, radiyallahu anhu. وعن أيضا سفيان الثوري قال خفت الله خوفا عجبت لي. Il a dit, j'ai une crainte de la part de mon Seigneur. Vraiment, je suis étonné de moi-même. كيف ما مت. Il a dit, moi-même, je suis étonné. Comment je suis pas encore mort? J'ai une crainte de la part de moi. Je suis étonné. Comment la mort m'a... Je suis encore vivant. Mais j'ai un terme. إن لي أجلا. كل واحد منه. هو قال أنا عجبت. كيف ما زلت حيا. كيف أني لم أمت. لكن لكل واحد منا أجل. هلأ مع التذكير. نخيركم من طال عمره وحسن عمله. Dans le hadith. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a une longue vie avec les bonnes œuvres. يعني إذا واحد من الصالحين من الطيبين من الخاشعين من الذاكرين من الأسخياء الأجواد بتقول له أطال الله عمرك وكله راجع إلى مشيئة الله الأزلية بتعرفوا أنه مشيئة الله لا تتغير ولا تتبدل. Vous connaissez très bien que la volonté de Dieu ne change pas, mais si on voit un homme pieux, un homme de science, un homme de crainte, un homme généreux, vraiment c'est quelqu'un qui est très utile pour l'islam et les musulmans. On demande à Allah Ta'ala, accorde à cet homme une longue vie, parce que par lui on profite dans tous les domaines, dans la religion. أما إذا شفت رجلا فاسدا ظالما غاشما بخيلا شحيحا هذا لا تدعو له بطول البقاء بكون وبال على نفسه وعلى الناس. Alors si tu vois un homme avare, méchant, désobéissant, il fait que du mal pour les gens, tu ne vas pas demander à Allah, tu ne fais pas un dua, quoi, Allah donne à celui-là une longue vie, parce que c'est une malheur pour lui et pour les gens autour de lui. قال, Hamza ibn Ukht Sufyan al-Thawri, قال, ذهبت بول سفيان الثوري إلى الديراني. رجل الراهب اللي بيكون بالدير وكان كثير منهم يحسن إيش الطب. Alors le neveu de Sufyan al-Thawri, il a pris l'urine de Sufyan vers un homme qui est dans la chapelle, qui soigne, qui a une certaine expérience dans la médecine. Alors je lui ai montré. فقال ما هذا ببول حنيفي. الحنيف يعني هو إيش أتباع النبي محمد الذين يميلون عن الباطل إلى الحق. Il a dit mais c'est pas l'urine d'une personne de cette commune, de votre communauté, c'est-à-dire Al-Hanifiyya. C'est quoi Al-Hanifiyya ou Al-Hanif? C'est lui qui délaisse l'égarement pour suivre la vérité. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Musliman. Hanifan ay yamilu ala al-batil wa yamshi ma al-haq. Qultu bala. Alors le neveu il a dit mais si, wallahi min khiyarihim, c'est un parmi les grands hommes de cette communauté. وكان هذا الرجل لا يخرج من الدير. يعني les gens ils viennent vers lui, il ne sort pas pour soigner quelqu'un dehors. ما كان يخرج حتى يداوي إنسان في الخارج. قال أنا أذهب إليه. Lorsqu'il a vu, il a dit c'est moi qui va aller vers lui. فذهب إليه. فقلت لسفيان إنه يأتيك. Il va venir vers toi. فمس عرقه. Il a passé là où il y a les, on dit نبض, la tension. فقال هذا رجل قد قطع الحزن كبده. Il a dit c'est un homme que le chagrin a fait désintégrer ou ranger son foie. C'est pour dire qu'il était dans un grand état de crainte. هذا الرجل ملئ قلبه خوفا من الله عز وجل. وهذا ما حسن الحال يا اخواننا. يعني مع الاستقامة مع الطاعات, ولكن هو هكذا. من عرف الله سبحانه وتعالى عظم خوفه. عظم كثر دعاؤه كثر بكاؤه. مش ليس مثلنا تكثر الذنوب ويكثر الضحك معها. C'est pas comme notre état, les péchés sont nombreux et tu trouves les gens après, ils rient souvent, ils sourient souvent, et leur état
ceux qui sont loin de la piété. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. قال الأوزاعي, الإمام الأوزاعي ولد في بعلبك مدينتي. بعلبك أرسل إليهم نبي, ولد في بعلبك. أوزاعي من كبار العلماء, ذهب إلى بيروت, اللي ديسوندي إلى بيروت, ما وصل على المدينة, عم يسأل, رأى امرأة عجوز, لا في من فيي دم, أين العمران, أين المدينة, أين العمران؟ قالت له, إن أردت العمران فها هنا, أشارت إلى المقبرة, وإن أردت الخراب فها هنا, أشارت إلى المدينة. فالأوزاعي هذا الكلام مثل ما بقولوا عنا بالعامية عبال وراسه, يعني كلام أعجبه جدا, قال أبقى في هذه المدينة. فجعل مسكنه قريب من الساحل بنية المراقبة والحراسة, والآن قبره في بيروت معروف يزار, ومعروف أن الدعاء عند قبره أيضا مستجاب. اللغة الأوزاعي, avant d'arriver vers Beyrouth, il a trouvé une vieille dame. Il a dit à la dame, où est la construction? Il lui a dit, si tu veux la construction, c'est là, c'est ici. Et elle a fait signe vers le cimetière. C'est là la construction. Et si tu veux les ruines, c'est là, c'est là-bas. Et elle lui a montré la ville. Alors l'Auzaï, il a dit, sa parole m'a vraiment touché. Et j'ai aimé d'habiter suite à la parole de cette dame, et puis cette vieille dame. Et puis il a pris sa maison à côté du plage, dans l'intention de surveiller les gens, parce que voyez l'attaque à l'époque dans les bateaux, et lui il s'est mis là-bas dans l'intention de faire la garde. Alors, قال الأوزاعي إذا ذكر جهنم فليبكي من كان باكيا. Il a dit l'Auzaï, si on parle de l'enfer, si on parle de Jahannam, alors celui qui a envie de pleurer, qu'il pleure. فليبكي, يبكي اليوم قبل أن يبكي غدا, qu'il pleure aujourd'hui avant qu'il sera dans une mauvaise état et qu'il pleure dans l'au-delà. وعن سرين, سرين السقطي رحمه الله يقول, قلت لبعض العباد ما الذي أنصب العباد وأخشاهم. سرين السقطي, il a dit, un parmi ceux qui font l'adoration, العباد, celui qui veille dans la nuit en faisant la prière, qu'est-ce qu'il a fait que ces gens-là, qu'est-ce qui les a aidés à être debout et à avoir la crainte. ما الذي أوقف العباد طول الليل. أنت اليوم توقف ساعة ساعتين تصيروا وجهك يعملوا هيك بدك تنام. Si tu te mets debout une heure, deux heures, après les pieds tremblent, tu as besoin de se reposer pour dormir. Mais comment ces gens-là, des fois ils ont 60 ans, 70 ans, ils veillent toute la nuit en train de prier, avec l'état des craintes, qu'est-ce qui les a aidés à... Comment ils ont fait ? Malladhi awqafahum, malladhi ja'ala fihim tilka al-khashya. Faqal dhikru al-maqam wa khawfu al-hisab. Il a dit ce qui les a aidés à se mettre debout dans la nuit et avoir la crainte, c'est le fait de penser au jour dernier qui dure 50 000 années et le fait de penser au jugement. Comment on va passer? الذي فكر بطول الحساب وبطول المقام يرى أن القيام قيام ليلة شيء هين. Il voit que le fait de passer une nuit debout devant un jour sur, dans lequel ils vont être debout 50 000 années. Alors ça. هلا أما شوف ثابت البناني قال كابدت الصلاة 20 سنة كابدت يعني وجدت مشقة نفسي تدعوني إلى الاستراحة والنوم. كابدت الصلاة 20 عاما وتنعمت بها 20 عاما. في وقت من الأوقات بعدين مع الإخلاص والخشوع خلاص بعدين بيصير الإنسان يجد لذة. إنسان يجد لذة بالطعام والشراب واللحم المشوي والمبيت مع النساء, وإنسان يجد اللذة إيش؟ بالوقوف بين يدي الله على تلاوة القرآن مع البكاء والخوف والرجاء. سبحان الحي القيوم. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir dans le fait de manger les meilleurs plats, dans le fait de faire des jolies vacances devant des plages avec leur épouse à côté. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir وين بالمغارة. وين المغارة؟ تعيت أبو الحسن الشاذلي بتونس العاصمة. زرتوا المكان هذا؟ C'est bien de le visiter.
en Tunis, à côté là, tu rentres, il y avait une place dans laquelle il y avait Abul Hassan al-Shazli. Et avant Abul Hassan al-Shazli, quelques milliers d'années, on parlait de certains élèves de Jésus alayhi salam qui étaient là-bas. Ils ont creusé dans la terre et tu descends. Et là-bas, ils faisaient la prière. Vraiment, ils te rappellent. C'est là la réalité. Tu vas être dans un trou dans la terre. Prépare-toi actuellement. اشتغل الآن لأنك ستصير إلى مكان مثل هذا حفرة. يتعظ الإنسان بمجرد النزول يتعظ. Il aura une bonne leçon, une bonne exhortation par le fait de voir quelqu'un qui va en bas pour prier. نعم. كما أن السيدة نفيسة رضي الله عنها هذه المرأة من آل البيت الرسول ختمت القرآن 4000 أو 7000 ختمة في القبر. Elle a creusé sa tombe dans sa maison, السيدة نفيسة en Égypte, et elle a récité le Coran dans la tombe 4000 fois ou 7000 fois. لو قلنا 4000 fois. شيء عظيم. لكن هي تعد العدة لهذا القبر. Elle se prépare pour être dans cette place. Alors, ma alladhi awqaf al-ubbad wa akhshahum qala dhikru al-maqami wa khawfu al-hisab thumma qala li ya abul hasan wa lima la tadhubu abdan al-ubbad waz-zuhad wal-khuddam faz'an wal-qiyamatu amamahum. Il lui a dit à Sarin al-Saqati, Abu al-Hasan, oh Abu al-Hasan, et pourquoi les corps de ceux Al-Ubbad, de ceux qui veillent dans la nuit, comment leurs corps ne ils vont pas devenir maigres et comment ils vont rester dans leur état, comment ils vont pas avoir un peur plein de crainte et le jour dernier devant eux. Et ils savent qu'il y a des grands événements dans ce jour-là. Il a dit, il a crié fort et il m'a fait peur. ثم قال يا أبا الحسن من لي في ذلك الموقف ومن لي تحسري. Alors qui peut m'aider dans ce jour-là et si je suis en train de regretter ce jour-là. لأن الإنسان الذي أحسن هناك يفرح. قال الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par lui-même qu'il ne va pas réunir pour son esclave deux états de sécurité et deux états de crainte. S'il a craigné Allah dans le bas monde, il ne va pas avoir peur dans le jour du jugement. Mais s'il était dans ce bas monde tout content, il n'avait pas la crainte ni la peur, et il se sent en sécurité, il pense que non, il est sauvé, alors il ne va pas avoir cet état dans le jour du jugement. الله تعالى لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين إن أمن في الدنيا من العذاب فلن يأمنه في الآخرة وإن خشي الرحمن في هذه الدنيا وبالتالي أطاع الله فلن يخشى في الآخرة. أيضا نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق للعمل الصالح. عود يا جان عود ما زلنا. عن قتادة قال سأل عامر بن عبد الله. مين هو عامر بن عبد الله؟ ويقال له عامر بن عبد قيس. كان يصلي في الليلة 800 ركعة. قالت له ابنته يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. قال يا بني حر النار لا يترك أباك ينام. عامر بن عبد قيس عامر بن عبد الله il faisait par nuit 800 ركعات. Sa mère, sa fille lui a dit mais mon père, pourquoi je vois les gens en train de dormir et toi tu dors pas? Il a dit, mais ma fille, le feu de l'enfer ne laisse pas ton père dormir. Le feu de Jahannam ne me laisse pas dormir. فسأل ربه عز وجل أن يهون عليه الطهور في الشتاء. Il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui facilite à faire les ablutions en hiver. في بعض البلدان الماء البارد مشكل. نحن عايشين بسويسرا بإيش؟ بنعيم. بأي ساعة بتقوم بالليل في كهرباء. اللي عنده بيت عم بحكي أنا عند كهرباء وماء ساخن ودافئ. إيه وبتعرف كتير من البلدان لا بتروح على الفراش بيقعد ساعة لا يدفى تبقى ساعة وعند الصباح بيكون هم كبير كيف ستتوضأ
min al ma'il barid. Il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas profiter du bien qui est en Suisse. Tu te lèves à quelle heure dans la nuit? Il fait bien, il fait chaud à la maison. Tu trouves de l'eau et tu trouves de l'eau chaude et l'électricité et tu te mets pour prier, tu n'as pas froid. Moi, je me rappelle dans notre ville, tu mets le chauffage ou le à gaz ou à mazout avant de faire l'eau d'eau parce que sinon tu n'arrives pas à tenir à cause du froid. Et malgré tout ça, il dort toute la nuit au lieu de se lever faire quelques rak'at. Non, عندك البيت دافئ يوجد ماء يوجد كل وسائل التي تجعل هذه الامور سهله ولا يقومون في الليل. Amir, il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui facilite la purification en hiver. كانوا يعني في حال هذاك الزمان لا في كهرباء ولا شوفاج بدك تشعل خشب وتشوف كيف تدفى وكيف تدفي الماء ونحو ذلك. فكان في الشتاء يؤتى بالماء كان يجيبوا له الماء يصعد منه البخار الله يجعله ساخنا الله تعالى في كلو il y avait l'évaporation qui sort, c'est-à-dire on lui ramène l'eau et il est chaud sans qu'on le chauffe. وسأل ربه أن ينزع شهوة النساء من قلبه فكان لا يبالي ذكرا لقي أم أنثى. Il a demandé à Allah Ta'ala qu'il n'aura pas le désir pour les femmes. Alors après Allah Ta'ala lui a exaucé, alors il voit un homme ou une femme, c'est pareil pour lui. وسأل ربه أن يحول بين الشيطان وبين قلبه في الصلاة فلم يقدر على ذلك. Il a demandé à Dieu que le shaitan n'arrive pas à le déconcentrer dans la prière, alors il n'a pas pu. يعني voilà, ça demande de notre part un grand soin. بدنا ننتبه كثير لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض الأحيان النفس الأمارة بالسوء والشيطان وكذا بتجي كل المشاكل في الصلاة حتى أحيانا المنامات أحيانا بدك تنتبه الصلاة 5 ولا 10 دقائق انسى كل الدنيا وهمومها واخشع فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأن أكبر ربح فيك تحصله في الدنيا أكبر بكتير من ربح هذا تاع شركة أمازون ومن هذاك الربح تاع فيسبوك ومن هذاك الربح تاع شو اسمه علي بابا. لا أكتر بكتير. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لسنة الصبح ميوك لبامون دي سكي دودان. كيسك تدي بور لا بريير اوبليغاتوار؟ كيسك تدي بور اون بريير اوبليغاتوار؟ كونسونتر توا دون لا بريير. قد افلح المؤمنون هذاك بيجمع ملايين أنت تجمع ما هو خير من ذهب الأرض كله كله. Tu auras ce qui est mieux que tout l'or sur terre si tu te concentres à la prière. Alors il a demandé à Allah Ta'ala qu'il l'aide à éloigner le shaitan de lui pendant la prière pour avoir la concentration. Il a dit j'ai pas pu. وكان إذا غزا يقال له إن هذه الأجمة نخاف عليك فيها الأسد قال إني أستحي من ربي أن أخشى غيره. كان يروح مثلا إلى بعض الغابات بده يصلي بالليل انتبه يعلو يكون فيها أسد ما في توا بتتر إليا دو ليون. قال أنا أستحي من الله أن أخشى سوا مواجه دو لابيدور دو كراندر أوتر كو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. على كل إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعظين أن يجعلنا من الذاكرين أن يجعلنا من الخاشعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا إلى العمل مع الإخلاص وأن يحسن لنا الختام وأن يرزقنا رفقة الخير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.